un vrai moteur, mais c'est un presque vrai moteur. C'est un moteur reconstitué en fait. C'est, voilà, c'est pas un moteur fonctionnel, hein, c'est une maquette. Donc on s'est forcé de reproduire à échelle 1 ce qu'était le Honda 6, le moteur de légende de Honda des années 60. Donc c'est un 250 6 cylindres qu'on a reproduit en utilisant les moyens modernes de l'impression 3D. Par exemple, pour faire tout ce qui concerne les pièces de fonderie, ce qui était des pièces de fonderie à l'époque, on les a imprimées en plastique, en PLA, en 3D, et on l'a combiné avec des pièces métalliques, comme les ailettes de cylindre. Donc là, c'est de la tôle d'aluminium qui est découpée au laser. On a les carburateurs qui sont en impression 3D également, mais ce n'est pas du PLA comme ça, c'est une sorte de silice, une sorte de sable aggloméré avec de la colle. Et on a tout un assemblage aussi avec des vraies pièces métalliques, de vraies motos, et bien sûr pas de Honda 6 d'époque, hein, des motos d'aujourd'hui, comme un arc de sélecteur, des pièces de carburateur qui viennent de 1050 d'aujourd'hui, et qu'on a intégré dans un habillage qui ressemble au carburateur de l'époque. Alors, chaque morceau de la culasse, ça met 30 à 40 heures pour être imprimé. Le moteur paraît petit, il n'est pas à l'échelle 1. Là. Il est à l'échelle 1. Ah. Là, l'échelle 1, c'est qu'un 250 cm3. Ah, c'est la même taille que là. Ce que vous avez là à côté, c'est pour faire un vrai moteur, mais en fonderie d'aluminium. Donc ça, c'était la société JPX, il y a une vingtaine d'années, qui a fait ça. Donc vous voyez, ça, c'est la même taille à peu près.
Thank you.
After one lap on the ground, we stop here and we start the lap behind the car. Okay. We have to see, so I guess a great choice. We have to sit next to me, get the track in the middle, and then the Uber on the other side and Eric on the other side. Side by side. Tous mes mécaniciens, Jackie Germain, Guy qui est là, bien sûr, Pierre Germain, évidemment Gérard Lecoq, mais il y a eu également Jean-Claude Olivier, il y a maintenant et après Eric Dessène qui est là aussi, qui roule avec nous. Donc c'est une grande famille vraiment, la maison Yamaha. Et vraiment, si je dis ça, c'est pas en plaisantant. Je pense que dans le paddock, dans les paddocks, Yamaha est toujours travaillé. Si vous regardez d'ailleurs la carrière des pilotes Yamaha, ils ont été toujours plus ou moins fidèles à cette marque. Ça s'applique à beaucoup plus large. Hein. Je pense que dans la moto, on est tous un petit peu de la même famille aussi. Avec vous, là, les spectateurs et les fans qui venaient nous voir. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être là tous ensemble. Parce qu'on n'a pas de parti pris sur les autres marques. Hein. Je vous dis tout de suite. Non. Jean-Pierre Bonatin qui vient le féliciter et remercier d'être présent. Steve Baker qui a été, rappelons-le, vice-champion du monde en 1969. Sans oublier petit doute, qui m'a servi. Champion du monde 7,5 en 70. Et champion, effectivement, de 1750. Beaucoup d'entre vous l'ont vu quand il courait ici, et donc vous êtes évidemment ravis de le retrouver. Merci Steve Baker. Thank you very much. Grazie mille. I'm
Spirit of Speed avec Bernard et toute sa bande. Il y a également des Kawasaki 500 HR de 70-71, la même qui avait piloté Christian Ravel, la même qui avait piloté Eric Hoffenstadt. Oui. Copain de Philippe également, mais en tout cas toutes les motos qui sont là, c'est lui qui les a construites. C'est quand même absolument exceptionnel.